Il y a deux Québec au Québec. C'est le constat auquel en arrive le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet dans une entrevue à la presse canadienne. Le Québec est divisé entre Montréal et les régions, le reste du Québec. C'est une question de langue, langue au pluriel, de culture aussi, ce qui fait qu'il y a deux électorats et ce qui fait que le Bloc québécois a de plus de difficultés à Montréal. Regardons une citation tirée de l'article de nos collègues de la presse canadienne. Il y a deux Québec, malheureusement, c'est en train de devenir vrai. Il y a un Québec qui regarde Montréal comme si Montréal est en train de devenir un lieu étranger. Dimitri, est-ce que vous faites la même lecture que M. Blanchet? Pas nécessairement, mais ce que je constate, c'est que M. Blanchet est en train de mettre une croix sur Montréal. D'habitude, on parle du nouveau Parti démocratique qui met une croix sur tout le Québec. À l'heure actuelle, il y a 17 circonscriptions à Montréal, 16 détenus par le Parti libéral du Canada, une par le nouveau Parti démocratique. Je pense que M. Blanchet devrait être plus prudent avant de faire la partition du Québec. Au-delà de ses propos, une des citations qui se contredit, c'est il dit qu'il faut que ce soit une seule culture, une seule nation, avec toute sa diversité. Ça veut dire quoi, ça? Il faut choisir. Ultimement, ce que je dirais, je suis né en 1979, les régions du Québec ne sont pas ce qu'elles étaient dans les années 70-80. Je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a un Québec homogène avec en partie des lois comme la loi sur la laïcité, l'intégration. Et à une époque, à mon époque, quand j'étais tout jeune, la vaste majorité des nouveaux arrivants arrivaient à Montréal et restaient à Montréal. Mmh. Aujourd'hui, les régions du Québec, on voit de nouveaux arrivants qui choisissent le Saguenay, qui choisissent l'Estrie, qui choisissent la région de la Capitale-Nationale. Donc, tout ce que je lis, très simplement, c'est stratégie électorale lors de la prochaine campagne électorale. Monsieur Blanchet va faire campagne contre Montréal pour garder ce qu'il détient en région au Québec. Donc, c'est stratégique, cette sortie-là, selon vous? Ben, je ne sais pas quoi d'autre dire, parce que le Québec d'aujourd'hui est beaucoup plus uni et beaucoup moins... On voyait cette différence entre Montréal et les régions dans les années 70, 80 et même 90. C'est de moins en moins aujourd'hui. OK. Jean-François, est-ce que vous êtes capable de nous traduire cette citation que Dimitri nous a lancée? Il faut que ce soit une seule culture, une seule nation avec toute sa diversité. Ben oui, mais c'est comme ça qu'une nation en santé fonctionne. Une nation n'est pas fermée. Une nation comme la nation américaine est en très bonne santé culturelle, je dirais pas politique, surtout pas aujourd'hui. Mais en tout cas, les gens vont aux États-Unis pour devenir des Américains, mais ils apportent, ils enrichissent la société américaine avec leurs apports. Au Québec, comme la nation n'est pas indépendante, il y a un malentendu sur est-ce qu'on vient dans une société francophone, dans une société bilingue, est-ce qu'on prête serment au peuple du Québec, ou on prête serment au roi d'Angleterre. Donc, il y a une instabilité identitaire qui fait en sorte qu'il y a une fragilité dans la nation québécoise dont la réalité n'est pas reconnue dans la Constitution canadienne, d'ailleurs, par le reste des Canadiens. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, je pense que c'est une bonne définition de ce qu'une bonne nation devrait être. Je remercie Dimitri de dire que la dichotomie Montréal-région est moins forte qu'avant, en ce sens qu'il y a beaucoup plus de diversité dans le reste de la nation. Et dans le reste de la nation, il n'y a pas de problème d'intégration. Hein. Tout le monde devient francophone, québécois, avec son héritage quand on s'installe en Abitibi ou à Rimouski ou à Québec. À Montréal, c'est différent. C'est sûr que la proportion de francophones se réduit. Ça, c'est un fait absolument certain. On est devenu minoritaire, non seulement langue maternelle, mais langue d'usage. On est une minorité sur l'île. Ça a des conséquences politiques, évidemment sur les choix politiques, mais aussi sur la volonté de défendre la langue. Lorsque tu as une seconde langue, j'ai jamais vu une manifestation de gens qui défendent leur seconde langue. On défend sa première langue. Alors, ce qu'il est en train de dire, je pense, Dimitri lui prête des intentions en disant qu'il va faire un X sur Montréal. Ce qu'il dit, c'est le contraire. Il faut se battre encore plus pour essayer de regagner des circonscriptions. Sous Gilles Duceppe, il y en avait 7 ou 8. Maintenant, il y en a seulement une. Est-ce qu'avec la remontée du PQ, est-ce que ça lui permettrait de regagner 2 ou 3 circonscriptions?
C'est pas impossible. Quand on veut gagner des circonscriptions, on ne commence pas par insultant les gens qui habitent dans ces circonscriptions. Je ne pense pas qu'il les a insultés. Je ne vois pas nulle part où il les a insultés. Il fait un constat sociologique. Je ne sais pas quelle est l'utilité de ce constat. Soit je dois avouer, là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà. Ben, pourquoi il s'en va là-dessus? Voilà. Parce que voilà. Je ne vois pas combien de votes il gagne en disant ça, mais en même temps, ce n'est pas faux. Puis moi, je ne suis jamais pour taper sur un politicien qui dit une vérité. OK. Françoise. Ben, je pense qu'il est en train un petit peu de mettre la table pour expliquer ce qui arrivera probablement en 2025 lors de la prochaine campagne électorale. Le Bloc québécois devra faire face non pas seulement au Parti libéral du Canada, qui a 35 sièges présentement au Québec, mais qui, dépendamment de où on sera au moment du déclenchement des élections, devra faire face au Parti conservateur de Pierre Poilievre, qui vise certaines circonscriptions purement et simplement bloquistes. Alors, j'ai comme l'impression qu'il met un petit peu la table pour dire « Hey, on s'occupera peut-être pas trop de Montréal, mais de toute façon, Montréal, c'est une autre bête. C'est différent. On aura suffisamment à se retrousser les manches là, pour conserver certaines de nos circonscriptions. » Moi aussi, je me suis interrogée, ça sort de où, puis pourquoi, et maintenant, et quelle utilité est-ce que ça a? Et je trouve aussi que ça, c'est un peu réducteur, non pas pour Montréal, mais pour le reste du Québec. On est différent de région en région. Allez vous promener dans les régions, messieurs et mesdames les leaders politiques. Il n'y en a pas beaucoup de madame leader politique au Québec, mais quand même. Et vous allez voir comment ce qui fait vibrer certaines régions n'est pas nécessairement la même chose. Les préoccupations des uns n'est pas nécessairement la même chose. Et j'avais comme l'impression qu'il nous disait, il y a Montréal, puis il y a le reste du Québec qui vibre d'une même voix. Et c'est faux. On a tous et chacun des problématiques bien particulières et on ne peut pas réduire tout à la question linguistique ou à la question de l'immigration. Parce que ça, c'est sa grille d'analyse à lui, c'est la langue et les communautés culturelles. Exactement. Maintenant, allez vous promener dans certaines régions, puis ils vont vous dire, c'est pas notre problématique nécessairement numéro un en Outaouais. La santé, par contre, le fait qu'on est collé sur la frontière avec l'Ontario, où les conditions sont différentes, puis on a une bonne partie de notre population qui se promène de l'autre bord pour aller chercher des services. Et comment ça se fait alors qu'on paye très cher nos services au Québec puis qu'on les a pas? En Abitibi, allez vous promener, ils ont d'autres problématiques. Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et j'en passe. Alors, j'ai trouvé que c'est l'erreur que fait souvent plusieurs politiciens de tout beurrer d'un grand trait d'un bord ou de l'autre. Sans et faire ça fait, okay. Ça nous. Et voilà. Michel. C'est vrai ce que Françoise dit, mais en même temps, c'est vrai aussi que le reste du Québec a de plus en plus de difficultés avec Montréal. Et il y a bien des gens dans le reste du Québec pour qui, effectivement, Montréal devient une communauté de plus en plus éloignée. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que M. Poilievre devait être au Saguenay. Il y a eu un problème d'avion. Il n'ira pas au Saguenay. Mais ce qu'on Justin nous Trudeau n'est pas matin... le seul à avoir des problèmes d'avion. Non, c'est ça. Oui. Mais ce qu'on nous disait ce matin, c'est qu'on devait s'attendre à ce que M. Poilievre, au cours de la prochaine année, se rendre 3, 4, 5 fois dans les différentes régions du Québec, mais pas nécessairement à Montréal. Il vient très souvent à Montréal. Non, là-dessus, il faut faire attention. Il vient très souvent à Montréal. Non, mais de façon officielle, Dimitri, là, tu sais, de lui-même. Là, ce matin, c'est ces gens qui disaient ça, là, que dans la prochaine année, là, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit davantage en région. C'est Québec. Aujourd'hui, c'est Québec et ça devait être Saguenay, Saguenay aussi. Saguenay, pourquoi? Parce que Saguenay, il espère continuer à faire des gains, puis il a déjà eu, sous M. Harper, Denis Lebel, Jean-Pierre Blackburn, etc. Mon point est le suivant. C'est qu'effectivement, on risque de se retrouver entre une certaine lutte Poilievre-Bloc québécois. C'est un peu ça, dans le fond. Peut-être que c'est à ça que répond aussi Yves-François Blanchet. Mais c'est évident que Yves-François Blanchet, comme notre collègue Jean-François Lisée, ils veulent un pays. Alors, c'est évident que le discours se fait
autour de la langue, autour du débat identitaire, autour de la définition de ce que doit être une nation, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce que nous partageons. Et c'est évident que Montréal, puis j'inclus maintenant Laval, Montérégie, c'est évident que par le volume, bien, comme on ne fait plus d'enfants, on n'en fait pas suffisamment. Quelle est la solution? Et on ne va pas régler ce problème de l'immigration. On va, comme tous les pays, d'ailleurs, occidentaux, qui sont aux prises avec, cette définition de qui sommes-nous comme nation, quel type de nationalisme voulons-nous, quel type d'identité voulons-nous. Et ici, comme disait Jean-François, on se raccroche à juste titre autour de notre langue, de notre culture, mais surtout de notre langue dans une mer anglophone. Alors, c'est intéressant, ça peut même aller très loin sur la question philosophique, et je crois que c'est correct que M. Blanchet, à cette étape-ci, on n'est pas en campagne électorale, soulève ces questions-là et ces interrogations-là. Alors, la question qu'on peut se poser au Québec, est-ce que toutes les mesures adoptées par le gouvernement Legault, la loi 21, la loi 96, ce qu'on fait avec les universités anglophones, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Et quel sera davantage ce plan de promotion de la langue française, mais tout en ne nuisant pas au fait que nous avons aussi besoin d'immigration pour soutenir notre économie. Sinon, on se leurre. Ou sinon, on va revenir aux années du clergé, puis on va dire « faites des enfants », ce qui n'arrivera pas. Ce qui n'arrivera pas. Non, mais c'est un réel problème. Et personne n'en parle du fait que on ne fait plus... la natalité est constamment en décroissance. Ça, ceux qui prônent pour la nation n'en parlent pas. Mais c'est ce fait-là qu'il faut constater. Je vais en parler, moi. Et, et il faut effectivement mettre les mesures requises pour s'assurer qu'on ne perd pas ce français et cette culture qui nous est propre. Dans l'ordre, Dimitri et Jean-François. Dimitri. La question que je me pose toujours quand je vois ce type de sortie de quiconque, c'est pourquoi? Donc, si ce n'est pas parce qu'il a mis une croix sur Montréal et il veut faire... le contraste entre les régions du Québec et Montréal, c'est alors parce que le professeur Blanchet a fait une sortie au lieu du politicien Blanchet. Et la dernière question que je vais poser, c'est quand il dit que Montréal est en train de devenir un lieu étranger, ben si le Québec se sépare, on garde-tu Montréal ou on le donne-tu au Canada? OK. Jean-François, en conclusion. Ouais, où est-ce qu'on va mettre Checkpoint Charlie? Mais écoute, sur tous les ponts. La question... oui, moi, je pense qu'effectivement, c'est le professeur Blanchet qui a parlé. C'est bien vu, Dimitri. Sur la question de l'immigration, juste de dire que si on veut maintenir la population du Québec, on n'a pas besoin d'un demi-million d'étrangers temporaires. On a besoin d'à peu près 30-40 000 immigrants par année pour maintenir la population. Puis moi, ça fait 20 ans maintenant que je dis que la meilleure chose à faire pour baisser l'âge de la population, c'est que l'essentiel de l'immigration soit des étudiants qui viennent dans nos universités puis nos cégeps, qui soient intégrés en français puis qui restent. Quoi qu'il en soit, sur le fond des choses, dans toutes les sociétés, il y a une tension entre la métropole puis les régions. C'est toujours comme ça. Parler de New York aux gens du reste des États-Unis, parler de Toronto, n'importe où au Canada, il y a un rapport... d'amour-haine envers Toronto, c'est sûr. Alors, la difficulté avec Montréal, c'est pas tant qu'il y ait une différence avec les régions, ça, c'est normal. C'est la question de savoir si une autre identité nationale va se développer. Et il y a beaucoup de Montréalais non francophones pour qui ils sont pas Québécois, ils sont Montréalais. Puis c'est très important pour eux d'être seulement Montréalais, parfois Canadiens, mais ils n'ont pas d'attachement au Québec en soi, alors que les New-Yorkais sont très attachés à l'Amérique. Moi, ça fait des années que je dis, écoutez, il y a peut-être une façon d'essayer d'arrondir ces angles-là, c'est qu'on fasse un genre de service civil ou au niveau du secondaire ou du cégep. Tout le monde de Montréal est passé 2 mois dans une famille en région, dans son cours, et inversement, pour au moins que des gens se connaissent. Parce que le nombre de Montréalais qui ne sont jamais allés en région au Québec, c'est énorme. C'est incroyable. Et l'inverse. Probablement l'inverse.
D'accord. OK. Dimitri, mais vraiment très rapidement, il faut que j'aille à la pause. Je suis toujours rapide. Je vais conclure sur une note encourageante. Nous sommes en train de voir une cohésion sociale beaucoup plus importante au Québec. Et tout ce que je vous demande, c'est de comparer, avec le conflit entre le Hamas et l'Israël, de comparer ce qui se passe chez nous, à Toronto, où j'habite, et au Québec. Ça démontre que le Québec est dans la bonne voie avec des lois comme, par exemple, la loi sur la laïcité. Québécois et Canadiens d'abord. Vous parlez des manifestations, c'est ça, Dimitri? Je parle au-delà des manifestations. Je parle de la violence, je parle des menaces. C'est le droit de manifester, ça existe partout. OK. Vite, Michel. Vite, juste sur le plan politique, la CAQ ne s'occupe pas beaucoup de Montréal. Ben oui. Si M. Poilievre ne s'occupe pas beaucoup de Montréal, M. Blanchette, pas élu à Montréal, qui va s'occuper de Montréal? Moi, je vous dis, c'est bien beau, mais il y a une préoccupation sur le plan politique et sur le plan de l'avenir de ce Québec. Ça passe aussi par Montréal, même si je crois qu'il faut continuer de défendre les régions de façon très forte. L'équilibre. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.